Allez, salut tout le monde les gens, et bienvenue pour ce 9ème épisode. On va continuer les aventures avec Bugs Bunny dans les couloirs du temps. Cette fois-ci, on va tenter d'aller dans le futur, la dimension X. Bon, c'est pas vraiment le futur, c'est une autre dimension. Donc là, on est dans les couloirs du temps, mais là, on va dans une autre dimension des couloirs du temps. C'est un concept. Faut bien de la créativité pour les ces messieurs de la... Oula, il y a une fusée. Est-ce que je peux la prendre, la fusée? Je voudrais prendre la fusée, s'il vous plaît. Moi, je vais aller dans l'espace. Je vais aller très loin. Je vais voir les martiens. Ah non, il en faut 60. Bon, il en faut du réveil pour pouvoir conduire une... Ah d'accord. On est téléporté, mon dieu. Planète X-File. C'est pour ça que... Où est-ce que je suis? Excusez-moi, pardon. Oh, aussi. Quel magnifique spécimen de terrien pour tester les effets de mon nouveau spatio-modulateur. Il est à fond dans son machin, hein. Nous le laisserons faire ce qu'il a à faire. Base spatiale R numéro 1. D'accord, des powers durs. J'ai un peu peur de ce qui m'attend pour ensuite. En fait, là, ça doit être un endroit où je retombe. Je m'en souviens plus trop. Alors, ces rebonds, ça m'énerve un peu à chaque fois. J'ai voulu sauter pour aller un peu plus vite, mais j'ai... Hop là. Oula. Trop sur le rebord. On va aller récupérer toutes les carottes, bien sûr. Hein. Je pense que je vais faire le 100% vu la facilité du jeu. Bon. Là, on arrive quand même, je crois, dans les niveaux un peu plus... soi-disant... haut dans le hardomètre. Ah, ouais, c'est un nouveau mot, c'est... C'est comment dire, c'est une unité de mesure, une façon de mesurer la le niveau de ardu des jeux. Est-ce que je prends le bon chemin? Je pense que oui, je prends le bon chemin. Il faut se jeter. Ah, là, c'est la sortie. J'aime bien. C'est pour eux, c'est la sortie. Donc là-bas, non, faut pas y aller. Fait un bruit d'aspirateur. C'est dégoûtanesque. Oui, j'invente des mots aussi, hein, ne vous inquiétez pas. Ne cherchez pas ça dans le dictionnaire, ça ne doit pas exister. Sympa ces miroirs, hein, je me demande à quoi ça sert. Oula. Il a décidé de faire un autre bruit, celui-là. Il n'est pas de la même famille. Oh, mais c'est Wally! Ouais, Wally avec... Ah ouais, d'accord. Ah bah oui, c'est Wally, hein. Je pars dans les poubelles. Ah, c'est bien Wally, hein. C'est... Ah non, me dites pas que je dois tout me retaper. Oh là là, ça c'est le... Ça, on voit que c'est les jeux d'époque, hein. C'est les jeux qui... C'est les jeux qui prenaient bien la tête. On va pas dire d'autres mots, je voulais dire un autre mot, mais... On va rester raisonnable. Et bien là. Attention, un peu de poussière là. Voilà. On est dans l'espace, on peut bien rigoler un peu.
Lui, il fait plus un bruit de machin qui se déplace. Je veux pas être dans le futur, hein, parce que si dans le futur, tous les machins font du bruit comme ça, alors qu'on veut être dans un truc, on veut être dans un monde où tout doit être calme. Oh, il me pousse. Oh, il est gentil, lui. Génial! Non, c'est pas moi que tu dois attraper. Non, 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 c'est pas moi, je te connais pas. Je ne sais pas qui t'es. Oula. Oh non. Mais non. Mais non, mais non. Mais non, mais non. Hop. Est-ce qu'il m'a dégagé le... Ah ça par contre, ah oui. Oula, non, 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 non. Oula, non, non, non. Restons calmes, restons calmes. Ne montrons pas notre énervement. Restons zen, hop. Bon, ça va. Je pensais pas proposer de fail. Je me suis dit, ils vont s'ennuyer à mort. Eh ben non, au niveau de ça, on dirait pas à mort. Oui, je fais les liaisons si j'ai envie. Je m'excuse, mais je les fais quand même. Même si elles ne sont pas faisables. Ah, j'ai largement le temps de sauter, mais il y a le checkpoint qui ralentit un peu le jeu. Ce qui fait que je n'ai pas le temps de reprendre cette passerelle qui m'amène ici. Alors toi, tu t'excites pas. Tout à l'heure, j'étais au même endroit, il m'a pas détecté. Là, il faut pas hésiter une seule fois, il faut sauter. Là, si vous ne sautez pas, vous êtes obligé de recommencer. Voilà, hop. Vous voyez, on commence à arriver dans les niveaux qui commencent à demander un peu d'extérité. Pas trop de réflexion. Quoique là, il n'y a pas trop de réflexion. Là, faut pas hésiter. On va prendre ce checkpoint jusqu'à Ogardaï plus tard. Ah, nous avons encore un malade mental, le Wally. Oula. Par contre, nous avons deux... Vas-y, tire-moi dessus. Nickel. Ouais, non. Ah, il vient pas jusque là, je pense. Vas-y, fais demi-tour. Allez. Voilà. Non. Je peux même pas passer avec toi. Ouch, c'était méchant. Je perds la carotte. Génial. Et le symbole des bandiles. Ouais, non, je ne refais pas bien Bugs Bunny, vous inquiétez pas. Heureusement qu'il se met en mode en panne des fois. Ou en mode stand-by comme vous voulez. Ah, on va aller activer ce truc. Est-ce que je me suis fait bien dévorer les carottes. Les carottes, j'ai dit, hein. Je vous dire, vous allez pas m'avoir avec vos esprits tordus. Je sais pas ce que j'en suis, hein. Parfois, hein. Ne vous inquiétez pas. Hop. Ça sent pas bon, moi, je dis. Si, ça sent bon. Si, ça sent bon. C'est gagné. Ah, c'est l'entrée ici, d'accord. Mais je vais pas aller par là, je vais aller voir par ailleurs. On va aller voir par là. D'accord, on peut passer là. Oh, nickel, ça c'est beau. Ça c'est de la précision. C'était pas de la précision, ça. Hop. Oula, y'a... Oh non, quand y'a eux, là, j'aime pas ça.
Vous savez quoi, on va faire demi-tour, on va aller voir sur l'autre cheval. Mais genre, mais j'étais à 1 cm. Romero. Oui, on peut faire. Oh non, mais je peux passer là. C'est bon, c'est des petits lasers. Mais j'appuie sur roulade. Allô. En parlant d'Halo, ça serait un jeu pour l'autre demoiselle. Comment elle s'appelle déjà, celle qui faisait Halo? Ah oui, Nabila. Non. Bon, je pense que ma manette a des problèmes. On va la faire consulter. Bon là, je peux repasser tranquillement. On va attendre. En fait, je crois qu'il faut courir. Ouh, c'était sur le fil. Là, je voulais juste tester, pas y aller trop vite. Allez, c'est pas gentil ça. Et ça m'en va où ça? J'ai un peu peur. Sortie. Non. Non, c'est la sortie. Je sens que si je vais sur entrée, ça va m'envoyer la sortie. Donc je vais pas prendre l'entrée. Je vais aller là où il y avait la porte avec les deux zigotos verts et. Et le Wally dormant. C'était par où déjà? Mais. Il faut rouler. Voilà. C'est bien. C'est par où déjà? Oh non, c'était l'autre côté. Non mais, Bugs Bunny, tu fais quoi là? Tu nous fais quoi? Oh mais. J'ai roulé au bon moment, quoi. Heureusement qu'il fait des roulades sur place. Hein. C'est pas un incon... Un... Allez, j'appuie sur le machin, là. J'appuie. D'accord, des fois, il veut pas s'activer. Donc là, on va essayer de pas se faire avoir par les lasers. C'est même pas des lasers, c'est des arcs électriques, là. Génial. Bonjour vous, monsieur le... Voilà. Oh mince, il y avait une carotte dorée. Ah, au secours. Est-ce qu'on peut revenir en arrière? C'est possible? Apparemment pas. Tant pis, on en aura bien. On le fera plus tard. Donc là, ça sent le... truc. À la James Bond. D'accord, c'est pour activer l'interrupteur. C'est un niveau long, ça, j'ai l'impression. C'est un bon niveau très long. Tellement long que faut patienter. On va patienter. Heureusement que je suis patient. Donc là, hop. Je fais une roulade pour aller un peu plus vite. On va aller récupérer toutes les the carrots. Carrots, les gold carrots. On va la faire à la. Hop là. Effet de caméra de nul. Nul, très nul. On va récupérer cette carotte, hein, parce qu'apparemment, quand je le dis en anglais, ça me fait faire n'importe quoi. C'est quoi ces bruits, quoi? On dirait le futur vu dans les années 60. C'est la même chose. C'est la même chose. Ça fait tous des bruits bizarres, ça fait tous des bruits d'aspirateurs de l'époque et tout. Ils avaient que ça en fait comme bruitage à l'époque, donc c'est un peu pour ça que ça fait des bruits, qu'ils ont réutilisé ces bruits-là. Ça mène ça.
J'aime bien ça. Ouah, un anti-loup avec un œil trop chelou dessus. Ça fait trop peur. Oh mon dieu. Ouh, par contre, ils sont plus forts. Hein. Ouh, il est méchant. Ouh, ça fait peur. Des activations. Des arcs électriques. Oula. Est-ce que je peux me jeter en bas? Non, je veux pas. Je peux passer par en dessous. Oh. À l'endroit où je veux même pas qu'il s'envoie. Allez, on court, Bugs. Allez, t'es un lapin. T'es pas n'importe quoi. Ah non, il faut activer. Oh là là. Oh là là. Faut faire tout le tour et tout. Heureusement que c'est un timer long. Le bruit, ça casse les oreilles direct. Ouais, d'accord. Hein. Même une alarme, ça, c'est un peu plus adouci. Hop. Ouais, je sais qu'on peut faire un saut, mais je préfère. C'est par où qu'il faut aller? C'est par là en bas. Ah, c'est là. Non, il n'y a que par là en fait. Donc là. Le tourniquet électrique où il faut ou courir vite ou aller doucement pour pas se faire avoir. Voilà, voilà. Ou pas aller trop au centre non plus parce que plus la distance est courte, plus vous allez le toucher. Non mais genre 2 tonnes de direct. Ah non mais. Montre que c'était des jeux quand même assez costaud, assez costaud dans la. Moi je vais dire, il est assez chiant, il est chiant, voilà, voilà c'est chiant, de voir commencer si loin, alors que j'aurais pu prendre ce chapeau là. Non mais Volgil, tu fais n'importe quoi, je devrais dire Bugs Bunny parce que je. Ce n'est pas. C'est moi qui le commande, mais c'est moi. C'est lui qui se les prend, les trucs. Oula là, là il y a eu un petit ralentissement, donc je me suis retrouvé à devoir. En fait, je suis bête, hein, j'attends, mais je peux passer sur le côté tranquillement sur cela. Là, je crois que c'est une commande à faire. Contrôler le robot, utilise les touches directionnelles. C'est quoi comme robot? Ouais, je contrôle un Wally. Ouais, je contrôle un. Oh, je peux sauter. Oh, c'est rigolo. Bon, ça, c'est pour après. Eh ouais, Wally, il est mon tuyau. Est-ce que je peux glitcher là? Non, casser. J'ai cassé un Wally, mais on m'en donne un autre. Ah, je vais en casser trop plein. Oh, c'est trop fun. Ah, c'est trop bien. On peut appeler des ascenseurs. Oh, c'est mignon. Ah, ça me rappelle Spyro. Mais en plus facile. Quoique. En fait, si on peut pas les casser, faut passer à la. Oula! Ouh, il a perdu un bras! Là, vous spammez comme un deck. Ah! Le pote maléfique qui se fait prendre par surprise. Par contre, le bruit. Oh, ils sont. C'est pas des flèches. Hein. Oh mon dieu. Voilà, il se met en mode stand-by et on passe tranquille sur à la suite. C'est intéressant, c'est tranquille.
dois aller par là. Bric-à-brac et bric-à-brac. Bing. Hop là. Alors là, l'effet de caméra, même à l'époque, ça m'énervait parce que c'est l'effet de caméra tout dégueulasse qui part pas droit. Et pourtant, j'aime bien ce jeu. Parce que c'est l'univers Looney Tunes, je trouve que c'est bien fait, mais... Alors, le machin, je trouve qu'il est un peu loin, quand même. Génial. Et là, par contre, il en faut combien? Oh, 14, d'accord, carrément. Je me demande où est la sortie. Ah d'accord, un combat direct avec le martien. What? What? Ça me rappelle les combats sur Crash Bandicoot, ça. Comme c'est bizarre. En plus simple, hein, bien sûr. Toujours le même pattern. Ah voilà, fallait attendre qu'il soit en panne. Bien sûr, ça vous amène direct sur la prochaine plateforme. Ah, c'est un peu plus vicieux, mais bon, c'est faisable. Ah non, mais j'ai même pas le temps de sauter. Donc, il reste bien sûr deux passages, je pense. Là, il part carrément au milieu là. Non mais j'étais sur le rebord là, c'est le bug de caméra ça. Bon, ça c'est très facile à esquiver, hein. C'est même plus facile que les rayons rouges et les verts. Là. Comme il dit, yep là. Et y a pas que moi qui fait hop. Et le dernier, qui je pense sera tout aussi facile. Ainsi que j'ai fait ça, non. Oula, j'ai failli tomber dans le vide encore une fois. Le même pattern. À la fin, on sait déjà comment il faut le passer. Ça, c'est de la fin de boss super. Au lieu de le détruire, bah non, il s'en va. C'est un peu frustrant parce qu'on s'attend toujours à battre le méchant. Sachant que là, c'est pas vraiment un méchant, c'est un personnage plus ou moins. Comment dire, perturbateur de Bugs Bunny. Génial. Un peu comme Daffy Duck. Mais là, c'est pas un rival, c'est on va dire
un méchant. Ouais, pas trop. Oh, un méchant. Là, je crois qu'il en reste. Il en reste un. Ou j'ai tout pris. J'ai tout pris. Ok, j'en ai oublié deux ou trois dans une zone. Donc, je pense que la sortie est par ici. J'espère que c'est bien ça. Allez. Ah, c'était la fin. Ça m'avait pas indiqué. Excellent. Mais vous avez laissé beaucoup de choses derrière vous. Ah oui, le niveau de la poubelle. Oui, je vais sauvegarder. Merci, Merli. Hop, et c'est malheureusement la fin de ce 9e épisode. On se retrouvera au prochain, au 10e. On commence à arriver dans des niveaux assez complexes et longs. Hein, j'ai quand même fait tout ce niveau sur un seul. Quoique. Je vais quand même voir avant de vous laisser si je peux prendre un carreau. Bon, je suis combien? Ah, je suis à 29, je suis encore loin. Il va falloir que j'en récupère. Donc je vous remercie de m'avoir suivi, je vous donne donc rendez-vous au prochain épisode. Allez, salut à tous!